Salam alaikum. Alaykoum salam, frérot, Ça dis-moi. va, frérot? Et toi? Alhamdoulilah. Ouais, je Écoute, je t'écoute. voulais te parler d'un truc en fait là. Dis-moi. Je sais pas si tu es au courant de ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence ar artificielle et Ouais, le j'ai nouveau truc alors ChatGPT. en parlant de ça, mon ami, j'ai vu un truc qui fait flipper. J'aimerais que t'en parles avec moi. J'ai vu un Vas-y, truc qui dis-moi. fait flipper, je te jure, ça m'a fait froid dans le dos. En fait, il y a une nouvelle technologie dans l'intelligence artificielle où, par exemple, moi, je suis en train de te parler. Là, quand je suis en train de te parler, par exemple, je suis en train de te dire, salut mon frère, tu vas bien? Salut mon frère, tu vas bien? L'intelligence artificielle, elle va prendre le même ton de voix que la mienne, mais il va changer les phrases. Je vais... Alors qu'en vrai, je t'ai dit, salut, tu vas bien? Ils arrivent à changer les discours En avec fait, la c'est même même pas ça, ça intonation de va. voix. J'ai collé! Imagine ce qu'ils vont faire avec moi! Incroyable, incroyable, T'as plusieurs trucs qui sont incroyable. sortis cette année, mais t'as un truc en particulier là, qui est sorti au mois de décembre, ça s'appelle ChatGPT. Là, il y a la room, apparemment, elle en Ils parle. en parlent, ouais, ils en parlent. Chat C'est GPT. une intelligence artificielle, en fait, tu parles avec Internet. T'as l'impression de parler avec un humain. C'est-à-dire qu'en fait, Ça fait c'est un truc qui flipper. a. C'est Elon Musk, en fait, qui a créé ça avec un autre gars en 2015. Ils ont investi 1 milliard. Et en fait, ils ont créé une intelligence artificielle en fait qui a enregistré tout le contenu d'Internet et qui génère derrière des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir des conversations avec lui et c'est un truc de malade en fait. Et c'est un truc de malade. C'est Skynet. Skynet, c'est Terminator qu'ils ont créé. C'est un truc de fou en C'est le fait. vrai, c'est comme dans le film en vrai, frérot. C'est Skynet, comme dans le film. Le Terminator. mec, il sait tout sur tout, etc. Mais le problème en fait, c'est que Incroyable. tu vois là, on parle de la fin du monde, mais quand tu regardes bien, toutes les intelligences artificielles qui ont été créées aujourd'hui, c'est Terminator. C'est-à-dire que, en fait, on a créé des intelligences artificielles, justement, qui répondent, qui réfléchissent, qui parlent, qui agissent. Comme tu disais, tu as des trucs, justement, qui transforment les voix, etc. C'est un truc de malade qui est en train de se Non, passer. On s'en rend pas compte, ça en fait. mon ami, ça mon ami, je sais pas comment ça s'appelle, mais je te jure, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que j'ai tout de suite pensé à moi. Imagine ce qu'ils vont faire avec moi. C'est Ils vont DID, prendre ma voix et ils vont l'application. dire des trucs de fou. Par exemple, là, de la manière dont... Eh ben, là, on le voit déjà. Alors, moi, je... C'est... dire. Je te jure. J'étais en train de regarder, j'aime bien les Hitman. J'étais en train de regarder Hitman 2. T'as vu quand il se bat contre le boxeur, le britannique? Eh ben, je l'ai vu en chinois. Sans sous-titres. Le film avait, vu que je le connaissais déjà, le film avait une autre saveur. Et quand tu le regardes, quand ils parlent en français, ils arrivent, on dirait qu'ils parlent français avec leurs mots. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Déjà, Ouais, je vois l'intelligence complètement. artificielle, dans les films, elle était déjà présente. Alors imagine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est un truc de malade. Là, tu prends par exemple ChatGPT, là. C'est surtout pour ça que je t'appelais. Mais je l'ai pas Si tu regardes. compris! Ils sont là! J'en ou pas! J'ai pas dit que je l'ai compris! Je les regardais, je planais! Je les comprenais pas! Je les entendais parler! Et ça avait rien à voir, le film! Le goût du film! Je vous ai pas dit que je les comprenais! Ouais, frérot, excuse-moi! Et donc, je te disais là, le truc qui est sorti, bah, c'est en train de faire un bordel dans les facs, dans les universités. Tous les gamins, ils font leurs devoirs là-dessus. Ça va, comment dire, ça va anéantir des métiers. Ça va anéantir le métier de prof, les métiers de copywriter, les métiers de consultant, Exactement. même les métiers d'avocat. Exactement. Le mec, tu lui racontes ton affaire, il va te dire exactement ce qu'il faut faire pour t'en sortir. C'est un truc de malade. C'est wallah, frère. Je sais pas d'où tu viens, mais tu mets le doigt. T'as raison. Tu vas même plus demander à un avocat, c'est une intelligence artificielle qui va te parler. Il y a même une intelligence artificielle qui a été connectée. Regarde, je te raconte, tu peux même taper sur Google, tu tapes IA avocat aux États-Unis, tu as un avocat justement, enfin, tu as un avocat, c'est un robot. Il a enregistré toute la loi, tout le code pénal, et derrière, justement, en fonction, il est capable comment dire, de te faire justement tout un argumentaire, de te faire toute. De prendre ta défense carrément. C'est des trucs de malade qui se passent. C'est-à-dire La qu'en fait, ce qui est seule en train de se chose passer, c'est que, tu vois, que je sais dire. dans les années 80, avec Mitterrand, tu vois, vu que toutes les sociétés, toutes les grosses usines, elles ont été délocalisées, ils ont axé justement sur les métiers de conseil. Tu sais, en France, ils se sont dit, justement, on va travailler sur les métiers de conseil, sur les métiers de consultant, de vente, etc. Sauf que là, tous les Ouais. métiers de conseil, ils vont disparaître. Là, il va y avoir un taux de chômage d'ici fin 2023 hallucinant.
Mais quand je dis hallucinant, c'est hallucinant. Tous les auto-entrepreneurs qui sont lancés, ils vont tous perdre leur job. C'est un bordel qui est en train de se passer. Moi, je C'est te un dis la bordel. vérité. Moi, je te dis la Même vérité, les profs, ils frérot. servent plus à rien. Même les profs, Ils ils servent servent plus plus à à rien. rien. Eh ben, les cours en ligne et tout, mais l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça fait flipper, mais d'un autre côté, franchement, est-ce que ça peut nous aider? Parlons du Ça peut nous métaverse. aider dans la mesure où si toi tu as une information, tu as tout ce qu'il faut, etc. Mais le problème, c'est que derrière, justement, ce qui va se passer, c'est que, enfin, ce qui est en train de se passer, c'est que ça va remplacer l'humain. Ça va remplacer l'humain. Mais si ça remplace l'humain, justement, ça va où après derrière? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a bien un humain qui va gérer ces machines. Il y aura toujours un Ben non, humain elles se pour les gèrent gérer, toutes seules, non? c'est ça le problème. Regarde, je te donne un exemple. Aujourd'hui, en fait, si tu regardes toutes les intelligences artificielles qui ont été créées, regarde, t'as des IA justement qui sont spécialisées dans comment dire, dans la sécurité, la cybersécurité. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, les machines, elles se protègent elles-mêmes. Incroyable. D'accord? Les ordinateurs, elles se protègent elles-mêmes. Les Ensuite, t'as des ordinateurs machines se juste. protègent contre leur concepteur. Exactement. Bah, en fait, ils se protègent contre les dangers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des ordinateurs. Par exemple, les virus, un antivirus, c'est quoi? C'est comme une IA, en fait, qui va rechercher justement toutes les intrusions et qui va se protéger toute seule, en fait. Donc derrière, ça. J'ai trouvé. L'intelligence artificielle américaine va programmer son intelligence pour contrer les virus russes. Et l'intelligence artificielle russe va programmer son autodéfense pour contrer des virus américains. Mais Finalement, c'est t'es en train l'intelligence de raconter quoi là? artificielle T'es en train de raconter qui Terminator? gagne. Mais t'es en train de raconter quoi? T'es en train de raconter Terminator? Skynet, ils le disent dans Terminator 1, Skynet s'est autoprotégé des humains, qui ensuite derrière justement a balancé un missile aux Russes, qui ensuite les Russes ont répliqué. Mais c'est exactement ce que t'es en train de raconter en fait. Incroyable, Mais incroyable, le incroyable. truc qui se passe, Wallah, c'est après, incroyable. on n'en est pas encore là, mais on va y arriver. Mais le truc qui se passe aujourd'hui, c'est que tu vois, là en 2023, il va falloir s'accrocher parce que tu vas avoir à peu près, je sais pas moi, peut-être 20, 30 ou 40% des métiers de conseil qui vont disparaître. Les Ensuite, métiers de avec conseil, l'IA, tu as des intelligences c'est-à-dire conseiller artificielles, financier, tu écris un les métiers texte, de... ils te le transforment en image et en vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, tout ce qui est designer, web design, etc., ça va disparaître. Tu as un site qui s'appelle MyJourney. Tu lui dis exactement ce que tu veux, par exemple, je sais pas, tu tapes astronaute qui marche dans le désert et il te fait un dessin d'astronaute qui marche dans le désert plus vrai que nature. C'est un truc de malade. On dirait une photo qui a été faite par un spécialiste web designer. C'est un truc de fou. Tu vas sur ChatGPT, tu dis. Quel genre de métier tu penses quand tu dis métier de conseil? Conseiller financier? Finalement, quel métier risque d'être touché par l'intelligence artificielle? Alors, tous les métiers bon, de consultants, de formateurs, les métiers de professeurs, la plupart. Tu as les métiers aussi de, comment dire, juristes. Les métiers de juristes, ça va disparaître. Les métiers de, là, ce qui sort aujourd'hui, tout ce qui est copywriter, Les etc. Tout ce métiers qui sont dans le marketing, juristes, tout ce qui sont dans le marketing digital. les métiers juristes, tu te rappelles pas, frérot, de cette... Vas-y, frérot, parle, je t'écoute. Parce que là, je suis passionné, là, je suis en train de voir un truc, là. Je te disais, les métiers de juristes, les métiers de journalistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un sujet, tu vas sur ChatGPT, tu dis écris-moi un article de 2000 mots sur la guerre en Ukraine, il va t'écrire un article de 2000 mots sur la guerre en Ukraine. Mais sur tous les sujets, c'est un truc de fou. Moi, j'ai passé depuis le mois de décembre, je suis dessus, j'ai fait faire des trucs par rapport à mon taf, mais des trucs hallucinants. J'ai même fait des recherches hallucinantes. Je lui ai demandé de m'expliquer le film Interstellar comme si j'étais un gamin de 8 ans. Tu sais, t'as des films qui sont hyper. Et tu l'expliques comme si, en fait, il comprend tout, et le mec, il s'adapte. Et l'ordinateur, quand je dis le mec, c'est pas. Franchement, je te jure, tu sais pas si tu parles à un humain ou si tu parles à un ordinateur. C'est un truc de malade. C'est comme Il y en a qui le connaissent do dans la c'est room, là, ChatGPT, là, j'ai vu ça, frérot, ce qui se passait. c'est comme le docteur Emmett Brown. Le docteur Emmett Brown dans Retour vers le futur 2 quand il dit à Marty quand il arrive en 2015. Ouais. Marty lui dit mais mon enfant, il a pris tout ça en un seul jour, il a pris 20 ans. Mais Ouais, il lui bah il dit lui a dit quoi? Il lui a dit, depuis qu'on a supprimé les avocats. les avocats, c'est exactement ça. Le système Incroyable! judiciaire est plus rapide depuis qu'on a supprimé les avocats. C'est exactement Nom ça, de frérot. Zeus, c'est pas le Mais là, pire. ça y est, c'est arrivé, ça y est, c'est ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'en J'ai le fait, si tu bouton regardes rouge. bien, C'est incroyable, c'est incroyable. qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, tout est fait pour que derrière, on ne serve plus à rien. On ne sert plus à rien. Il y en a qui parlent de la fin des temps, etc. Mais en fait, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ne serve plus à rien. Si tu regardes aujourd'hui, je te donne un exemple. Tu commandes un truc sur Internet. C'est une machine qui va l'enregistrer, qui va donner l'ordre à une machine chez Amazon. Chez Amazon, c'est quoi? La plupart, c'est des machines. C'est un robot qui va aller chercher le colis, qui va l'envoyer. Qui va l'envoyer derrière, justement, avec un drone. Le drone qui a été piloté automatiquement et qui a été, justement, qui a reçu, justement, des données d'un autre ordinateur. Mais c'est un truc de malade qui est en train de se passer. Wallah, il y Aux a une États-Unis, tu vas à question San Francisco, les taxis n'ont pas de chauffeur. incroyable. Ils sont en Non, tête, mais les San Uber, ils n'ont pas de Francisco, ça chauffeur. a toujours été une ville strange. Il y a Beurre de Paname, là, qui nous a posé une vraie question. Wallah, je te la pose à toi parce que tu m'as l'air branché. À quoi on sert, nous, Vas-y. alors? Quoi? On sert à quoi, nous, alors? Bon, on sert à plus rien maintenant. Dans certains métiers, Voilà. tu sers. On va pas C'est servir bien à ce qu'il a grand-chose. dit. Ouais, On voilà. va pas servir. Tu vas servir à quoi? On va pas servir à grand-chose. Parce que même se C'est ça le reproduire, on problème. pourra plus, donc on va servir à quoi en vrai? Bah, c'est ça le Non, problème. Bilou 75, tu me dis procréer, absolument pas. On va plus nous laisser procréer. La preuve, ils ont mis les préservatifs gratuits. Mais ça va même Ça au-delà. veut dire quoi entre vous? Ça veut dire Ça, ça? c'est une autre histoire, on va pas rentrer dedans. Hein, que Ouais, t'aimes, c'est que une autre pas. histoire. Ouais, bien. Oulala, tu es friendly? C'est pas grave, tu es Quoi? le bienvenu. Ah non, pas du Tu es tout, le moi bien. c'est pour toi C'est après. vrai? Ouais, non, non, mais c'est très. Mais ton sujet là, mais ton sujet, je te jure, il est hyper intéressant. L'intelligence artificielle. Bah ouais. Un Après, peu comme dans regarde, tu regardes sur e-Robot. Lyon, regarde, tu vas sur Google, tu regardes sur Lyon, je suis lyonnais moi aussi, tu vois, tu vas sur Lyon, et la semaine dernière, il y en a, BFM, ils ont fait un reportage, c'est la moitié des élèves qui étaient, la moitié des élèves justement, je sais plus dans quelle fac à Lyon, ils ont rédigé leurs devoirs avec l'intelligence artificielle, la moitié. Plus de Non, 50% justement des devoirs ça sont doit rédigés être par la fac l'ordinateur. de Asie, Lyon 2. Non, c'est l'INSA, ça Bah, c'est plus seul, la Doua, ça. regarde, tape sur Google, regarde, enfin, tu Ouais, taperas ChatGPT Lyon, tu vas tomber sur l'article dessus. ça sent la Doua, l'INSA, Doua là-bas, là. À Villeurbanne, Bon, les tu viens de voir. scientifiques de Villeurbanne. Les scientifiques qui sont là-bas, là. Les scientifiques qui font des happy hours. Après, ils disent, on n'a plus de sous. Ah, on Ouais. galère, nous, Après, par les rapport au métier de étudiants. conseil, tu Vous êtes dans disais. tous les concerts où ça crache du feu. Vous êtes tous en train de piave, en train d'être dans les happy hours. Et après, vous venez pleurer. Allez travailler Après, dans comme les tout le monde, métiers bande de feignants. de conseil, tu me disais tout à Feignants. l'heure, tout ce qui est secrétaire, assistante, assistante de direction, ça disparaît aussi. Parce que le Ouais. truc, tu lui dis, écris-moi une lettre de relance pour un impayé, il va t'écrire une lettre de relance pour un impayé. Mais il va te l'écrire, toi, tu lui mets simplement la phrase, écris-moi une lettre de relance pour un impayé pour telle personne, et il va t'écrire une phrase avec 14 lignes, justement, avec des avertissements et tout le bordel. C'est un truc de fou qui se passe. Écris-moi telle ou telle. Est-ce que Mario Balti, il a raison? Avant, les robots travaillaient pour nous. Maintenant, nous travaillons pour les robots. Bah, le problème, c'est ça. Maintenant, quand tu regardes le truc, je sais pas. Après, maintenant, les métiers manuels, pour nous, ouais, ok, d'accord, mais après, pour tout le reste, le problème, c'est qu'en France, on est une société de conseil. On n'est pas une société d'industrie. On l'est plus, ça, depuis les années 80, depuis Mitterrand, puis Chirac, puis Depuis la Maastricht, sidérurgie, depuis la depuis la fin des délocalisation en 30 Glorieuses, Roumanie et en frère. Pologne et tout. Bien Uniquement sûr, axé on sur est. les métiers de conseil. Regarde, va sur Pôle emploi, tu regardes les annonces, bah, 60 à 70%, justement, c'est des. Comment dire? C'est pour du conseil, c'est du tertiaire. C'est du tertiaire, les annonces qu'il y a. Il n'y a plus de boulot en usine, tu es sur Lyon, à part Renault Trucks et éventuellement, etc. Comment dire, du côté de Fezzin, la raffinerie, En mais tout le reste, mais quand logistique, tu prends Lyon est perdante. à part la logistique, si t'es pas déjà dans le circuit, il y a pas de boulot à Lyon. Pour moi, par exemple, il y avait toujours du boulot, parce que du boulot, il y en a toujours pour les mêmes et jamais pour les mêmes. Hein. Quand je dis ça, c'est pas du racisme, hein, c'est qu'il y en a, ils se plaignent de ne pas trouver de boulot parce qu'ils veulent pas bosser. Ah non, celui-là, Et il me même la fait aller trop logistique, elle est en loin. train de. Même la Même la logistique, tu le sais, logistique, elle est j'ai en train entendu, d'être elle est en train robotisée, de la couler. logistique. La Même la logistique logistique, à elle est en train Lyon. d'être robotisée, la logistique. Ouais, Chronopost, tout ça, ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. C'est en train d'être robotisée, la logistique. À la Mais frère, rigueur, peut-être un chauffeur livreur, c'est tout. à ce qui paraît, il y a un restaurant à Vénissieux où le serveur, c'est un robot. Wallah, tu commandes et il te ramène à manger. C'est un robot. Il a acheté une serveuse. Tu commandes, c'est un robot, comme dans Retour vers le futur. Simon la Fila, Coca, Coca et toi. Fila, Bila.
Wallah, un serveur dans des restaurants, il vient, il te sert. Bah ouais. Après, quand tu Incroyable! regardes, Incroyable! après quand tu regardes, t'as des mecs qui sont en haut, ils ont un projet. T'as des mecs qui sont en haut, qui ont un projet. Tu prends des mecs comme Elon Musk ou Bezos, ils ont un projet. Et avec les milliards qu'ils ont, tu peux pas les arrêter, ces mecs-là. Mais les gars, j'ai envie de vous dire, les robots, dites la vérité. Moi, je regarde toujours le film e-Robot et j'aimerais bien. J'aimerais bien et pourquoi pas? Demain, t'as un robot. Il est comme un chien, il est fidèle comme un chien. Il t'aime comme un chien. Parce que moi, le seul être qui m'aime, moi, c'est mon chien. Tu vois? Qui m'aime réellement. Donc, imagine-toi, j'ai un robot comme ça qui veille sur ma famille quand je suis absent. Il est fidèle à moi. Et quand je suis pas là, il est là. Il est devant la porte, il rôde, il tourne. C'est mon robot. C'est Mais quand, je sais pas, je donne un exemple, c'est quand la regarde en Chine, ils madame, ont que des robots chiens, les gens. c'est quand la madame ou les enfants, ils sortent faire les courses, il y a un robot qui marche et tout avec eux. Mais Tu sais? Et pourquoi pas? ça en Chine, ils ont Wallah! déjà, c'est des chiens, des robots chiens en Chine, regarde. Non, moi je te Note. parle des rouleufs, des vrais robots. Ils sont Ouais, armés, mais ils sont. ça va Tu sais? arriver. Wallah! Il aide de la grand-mère. Il aide à prendre les Comme courses. dans Hein. Rocky 4, le robot qui offre à Poli. Ouais, mais le pôle. Ouais, le robot qui. Non, dans High Robot. Non, mais je dis ça comme ça. Eh ben, High Robot, le film. Il aide les iRobot, ouais. mams. Voilà. L'autre, elle s'est fait tuer le sac. Le robot, il a couru. Mais ça part. Dès que Will Smith, il interroge le robot. Et le robot, il tape sur la table. Ce n'est pas moi! Will Smith, il a regardé. Mais t'as des sentiments, toi? Toi, tu t'énerves en tant que robot? Mais t'es bizarre, toi! Et c'est là où les sentiments ont pris le pas sur la robotique, frère. C'est ça. Wallah! C'est Wallah, je te ça. dis la Après, vérité! quand tu regardes les projets, l'autre, il a Elon Musk avec le projet Neuralink, là, il veut que les gens s'implantent des puces dans la tête, justement, pour pouvoir développer une intelligence artificielle dans le cerveau. Tu regardes les projets qu'il y a, Nalchitan. Nalchitan. Et le truc, c'est que c'est en train de se mettre en place, en fait. C'est ça le problème. Hakrabi, moi je programme mon robot et ben anti-maghrébin, anti-maghrébin, anti-swag, anti-sac à main, anti-crasse. Dès qu'il envoie une, c'est mort. Imagine, il y a des robots swag. Salam, frérot, on est tous ensemble. Imagine, on est tous ensemble. Bon, imagine, on a tous un robot. Je te serre la Après, main, mais mon des robot il serre robots, la main après au tu vois, tien. Salam, hop, t'imagines? On roule à Arnav, il après c'est roule, pas ça qui fait pareil. le plus peur. Le plus peur, c'est que toutes les grosses nations militaires, elles ont accès justement sur la robotique militaire. Tu regardes en France, t'as un projet, tu regardes sur Google, tape Droïd 2022 et tu vas voir tout le projet. Il est en PDF justement sur le site du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils mettent des milliards justement sur le développement de la robotique justement et comment dire dans l'armée. C'est-à-dire que même là justement ça part en cacahuète totale. C'est-à-dire que demain tu vas avoir des robots militaires, donc du coup peut-être des robots flics comme dans à partir du moment où le mec justement le robot tu le programmes à repérer Non, tu justement tel programmes ton individu. robot, Tel tu ou tel programmes ton... individu, comme dans Frérot! Terminator, le mec, il va comprendre. Non, frérot, et pourquoi pas, tu programmes ton robot. Imagine, t'as un robot domestique, tu le programmes, il y en a un qui s'approche de la voiture, il est connecté à la voiture, le robot, il se lève et il vient tout de suite. C'est lui qui ouvre la porte. Wallah, je suis très sérieux. Les robots qui t'aident et toi à la maison. Demain, au quartier, t'as embrouille, tu ramènes ton robot, l'autre, il ramène le sien. Au moins, il n'y a pas de Ouais. hagra, les robots, ils vont séparer et tout. Archmou, archmou, archmou. Bugna-bugne, on vous a dit. Bugna, putain, t'imagines? C'est... Ça, faut dire ce qui est. Tu rouilles avec ton robot. Wallah, tu rouilles avec lui. Tu t'arrêtes, tu vas lui Carrément. acheter de l'huile. Tiens, bois. Imagine. Tu sais pas, mais c'est très intéressant, le sujet. Wallah, ton sujet est hyper intéressant, frérot. Il faut qu'on en parle. Bah après, justement, regarde, t'as un téléphone qui fait tout. Demain, t'as un robot, t'as plus besoin de ton téléphone et le mec va marcher avec toi. Au lieu de parler à Siri, tu vas parler à ton robot. C'est exactement la même chose. Ouais, c'est pareil, mais moi j'aimerais bien en avoir un. Mais les gars, vous rigolez, pourquoi pas? Demain, tu travailles en déplacement, tu mets un robot. Le robot, il est connecté à toi direct et toi à la maison. Comme ça, t'as la madame et les enfants, le robot, il veille. Faites attention aux robots de la capitale. Ils vont... Ils vont...
Fais attention, non, je rigole. Non. Merci frérot de la robotique. On t'applaudit, ce fut un vrai Allez. Sujet. Voilà, il était un bon. Merci frère Lionel. Merci. Prends soin de toi, à la prochaine, Inch'Allah frérot. Merci, Psartek, toi aussi, merci. Salam alaikum frérot, t'es un bon.